Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors une minute Quintée qui s'annonce explosive. Hein. Ce sera du côté de Vincennes. Ce sera la première réunion, une grande, grande journée qui nous attend, comme vous le voyez, avec trois critériums. Le critérium des 5 ans, ce sera l'épreuve principale, hein, support de Quintée Plus, mais également de 2-5 hein, chez notre partenaire The Turf. Alors, vous le voyez, 16 concurrents au départ, 3000 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. On s'attend vraiment à un grand spectacle sur ce parcours de tenue. La course est assez ouverte, hein, surtout que les données ont été rebattues à la suite de la dernière préparatoire. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette course qui aura lieu vers 15h15, j'ai retenu en tête le numéro 16, hein, Onek. J'ai pas pris de risque, j'ai pas tenté quoi que ce soit. Je fais confiance à Philippe Allaire. Alors, oui. Il a été battu hein, dans le prix Jockey, la dernière course préparatoire. Maintenant, il a supporté tout le poids de la course. On sait que 2700 mètres, ce n'est pas le bout du monde pour lui, mais c'est moins facile de prendre tête et corde sur 2007 que sur 2100 mètres. Voilà, Philippe Allaire a dit qu'il s'était trompé entre guillemets. Voilà, on ne se trompe pas forcément en prenant tête et corde, mais c'est vrai qu'il va le courir moins offensivement, surtout sur 3000 mètres. Et je pense que justement, le fait de venir un peu plus tard et le fait de peut-être faire même le dernier kilomètre, ça peut lui permettre de renouer avec la victoire. En tout cas, c'est un cheval de classe, c'est un champion, cinquième du Prix d'Amérique, vainqueur de groupe 1. Voilà, rien à ajouter. Je pense vraiment que le numéro 16, Onek, a une toute première chance à défendre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15, hein, Hooker Berry. Alors, Hooker Berry, c'est son rival. Hein. Il vient de gagner la course référence, le prix Jockey, à l'issue d'une superbe fin de course. Hein. C'est vrai que Hooker Berry, on le connaît, il est là depuis le début lui aussi. C'est un cheval de qualité. Nicolas Bazire l'a vraiment drivé de main de maître hein, la dernière fois. Par contre, le problème, en tout cas le bémol, c'est qu'il faut courir caché avec lui. Hein. Ça comporte des aléas, surtout avec 16 concurrents au départ. La dernière fois, il a eu le super parcours. Il a pu placer sa pointe de vitesse au bon moment. Il faudra que ça se passe une nouvelle fois très bien hein, sur ce parcours de 3000 mètres. Il ne faudra pas que trop qu'il s'use également sur le mort. Il a tendance à tirer parfois un petit peu. Mais bon, c'est un super cheval. C'est également un grand champion. Et il a tout à fait le droit de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, hein, Hokkaido GL. On le connaît, hein, il est dans cette génération depuis longtemps au plus haut niveau. Hein, quatrième du critérium des 3 ans, huitième dans le critérium des 4 ans. La dernière fois, il m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Ça a toujours été son talon d'Achille, le départ. D'ailleurs, l'avant-dernière fois, dans la préparatoire, le prix Louis Jariel, il avait perdu toute chance au départ. Là, il est très bien parti. Il s'est retrouvé en bonne place. Et il a bien sprinté pour prendre la quatrième place du prix Jockey. Ça me plaît. Déféré des quatre pieds cette fois-ci. Voilà, ce sera en plus David Thomas qui lui sera associé. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on a vraiment axé toute la préparation sur ce critérium. Et attention, il est vraiment capable même de venir titiller les deux concurrents que j'ai retenus en tête parce que sur sa qualité intrinsèque, il a vraiment les moyens de rivaliser. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10, hein, Hip Hop Au Fort. C'est vraiment mon petit chouchou, hein, Hip Hop Au Fort. C'est un cheval que je suis depuis un moment. La dernière fois, c'était vraiment très très bien dans la course préparatoire, le prix Jockey. Il a fini deuxième. Il est venu en dehors de Honeck en montant. Et puis c'est vrai qu'il a réussi à dominer son rival hein, dans la ligne droite, ce qui n'est pas une mince affaire, même si le parcours était de longue haleine. Bon, il a été battu au final par Hooker Berry, mais il a fait preuve de dureté. Il a bien soutenu son effort jusqu'au bout et ça me plaît. 3000 mètres, ça va lui convenir également. Lui aussi fait partie des priorités. Je ne sais pas s'il est capable de remporter un critérium, mais il a largement les moyens de monter sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, Happy Valley. C'est une super jument, Happy Valley. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas pu trop la juger. Elle s'est montrée fautive en passant devant les tribunes. Maintenant, c'est vrai que face au mal, c'est pas forcément évident. Mais bon, elle a quand même des moyens. Elle a déjà battu les meilleures juments, même s'il n'y a que deux juments au départ et que face au mal, c'est rarement évident, surtout à cet âge-là. Elle a vraiment des moyens et elle a surtout une sacrée pointe de vitesse finale, plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Si elle a le bon parcours et qu'elle peut placer sa pointe de vitesse, elle aussi, elle est capable d'en trèfler plus d'un pour finir. Si elle est portée de fusil, moi je m'en méfie. J'ai retenu seulement en cinquième, mais je ne serais pas étonné qu'elle fasse mieux. Hein. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, Horsey Dream. Lui aussi, c'est un des outsiders qui peut vraiment brouiller les cartes. Dans la course préparatoire, il a terminé cinquième, le prix Jockey de la dernière fois. Il était ferré. On courait pas forcément avec des prétentions. Hein. On a couru un peu battu. Il est bien parti. Il a attendu côté corde. Et c'est vrai qu'il a bien sprinté. J'ai vraiment aimé sa fin de course. Et puis cette fois-ci, déféré des quatre pieds, je me dis que Pierre Beloch n'a rien à perdre. C'est un concurrent qui est en plein épanouissement et qui a prouvé qu'il avait le droit de rivaliser avec ceux-là la dernière fois. Donc attention, j'ai retenu sixième, mais il est vraiment capable de jouer un drôle de tour à ses rivaux.
Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 6, Héros d'armes, second atout de Jean-Michel Bazir. Lui avait obtenu son billet qualificatif l'avant-dernière fois dans le prix Louis Jarriel en terminant troisième à l'issue d'une superbe fin de course. Hein. Il avait vraiment crevé l'écran pour arracher le second accessit. La dernière fois, c'était pas si mal non plus. Maintenant, je pense que sur 3000 mètres, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, surtout face à de tels concurrents. Il faudra que ça se passe bien. On connaît Jean-Michel Bazir, c'est un homme habile. Il va certainement lui donner un parcours aux petits oignons. Et si c'est le cas, il est capable de venir prendre une 4-5e place, mais je ne le vois pas forcément mieux au départ. Et enfin, en 8e position, j'ai tenté le 13, hein, Hussard du Landré. C'est l'un des plus riches, hein, c'est un concurrent qui a des titres à faire valoir, deuxième du Critérium Continental l'an passé. Il a montré régulièrement à ce niveau qu'il était capable de rivaliser. Il répète pas toutes ses courses. La dernière fois, dans la course préparatoire, le prix jockey, il s'est retrouvé en suspension en dehors des leaders. Du coup, il n'a pas insisté son partenaire, surtout qu'il y avait le Critérium 15 jours après. Là, on déferle des quatre pieds. Course préparée, attention. Je pense qu'on a mis tous les atouts de son côté pour faire une grande performance. Est-ce que ça suffira? Ça, la course nous le dira. Mais en tout cas, le cheval a été bien mis pour cette course. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 9, un astronaute. J'aurais préféré qu'il me montre quelque chose la dernière fois. Malheureusement, il s'est montré fautif. Il avait gagné auparavant dans une course en province. Il rendait la distance. Bon, c'était bien, mais ce n'était pas un lot transcendant. Cette année, c'était pas extraordinaire. On sait qu'il a gagné le Critérium des 4 ans sur un drôle de pied en prenant tête et corde, cavalier seul. Est-ce qu'il est capable de faire pareil dans le Critérium des 5 ans? Vu ce qu'il m'a montré la dernière fois en se montrant fautif, je peux pas le dire. Mais bon, il y en a d'autres que je préfère avant le coup. Et c'est vrai que lui, je l'ai retenu en regret. Mais sur ce qu'il a montré de mieux, il est capable de bien faire, notamment avec Eric Raffin au Sulky. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu en tête devant le 15, le 12, le 10. Le 7, le 4, le 6 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout. Écoutez, comme conseil de jeu, moi je vous conseille les deux plus riches, 16 et 15 tout simplement, Onek et Okeruberi, qui pour moi font partie des murs et qui devraient logiquement lutter pour la victoire, même si pour le 15, il faudra que ça se passe un peu bien avant le coup parce qu'il a besoin d'un parcours caché. Mais en tout cas, je ne les vois pas sortir des 3-4 premières places, 16 et 15. Et puis le 12, Hokkaido JL qui arrive vraiment au top, au bon moment et déféré des 4 pieds, il est capable vraiment de rivaliser également. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintée. Vous le savez, hein, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Saint-Cloud avec les Stayers pour commencer la semaine ce lundi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonnes journées. Bye bye.